Salut à tous, c'est Hachem, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de pêche à l'aimant. Je me suis au bord de l'écluse de la Motte, sur la commune de Mersac. Et on va voir s'il y a un petit peu quelque chose à trouver autour de cette écluse. Avant toute chose, je voudrais vous remercier vraiment du fond du cœur. Un énorme gant bleu à vous les abonnés, la chaîne a dépassé les 400 abonnés et bah, j'y crois pas quoi, c'est tellement soudain, j'ai pas eu le temps de me rendre compte en fait. Donc bah, un énorme merci à vous, merci de suivre les vidéos, merci de commenter et puis bah, de vous abonner, du coup c'est génial, je pouvais pas espérer mieux pour ma chaîne, c'est vraiment super et je vous promets que ça va pas s'arrêter là. Voilà, donc énorme gant bleu à vous les abonnés, je tenais à vous le dire, j'ai pas eu le temps de faire une vidéo avant. Donc voilà, c'est fait, merci à tous et surtout continuez à suivre les vidéos, à les commenter et à vous abonner à la chaîne bien entendu. Allez, on va tester cette écluse, c'est parti. Allez, on va faire un premier lancer, ça a l'air assez profond quand même, je sais pas, non, mais on va voir. Allez les amis, je crois qu'il y a quelque chose au bout. Oh bah. Et alors là, c'est tir groupé. Là, regardez-moi ça. 1, 2, 3, 4, 6 canettes. Il y en a une peut-être une trop. Eh oui, une trop. Voilà. Dégueulasse. Allez, suivant. Allez, mais les petits, on a un truc. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Je sais pas, ben un bout de ferraille. Voilà. Bon, je me suis déplacé, j'ai traversé en fait l'écluse. Je suis sur la petite île là. Il y a les petites cascades au loin. Petite balançoire là pour se jeter à l'eau. Apparemment, ben, y a du monde qui vient. Le terrain, c'est beaucoup de pierres et beaucoup d'algues. Alors, je sais pas ce que ça va donner. On y va, on teste ici. Allez, première remontée. Oh là là, ben, décidément. Alors qu'est-ce que j'ai? Bon, il y a une Eiken. Ouais, une Cro. Oh non, non, la 33 export maudite, c'est pas possible. Allez, next. Qu'est-ce qu'on remonte? Bon, une Cro et une Eiken. C'est vraiment moche. Bon, je me suis décalé un petit peu plus loin, donc de l'autre côté de l'écluse en fait. J'ai rien pris d'extraordinaire, on va continuer, mais alors c'est blindé d'algues pourries. C'est parti. Les amis, ça donne vraiment rien. Là, je viens de discuter avec des pêcheurs qui vont bien confirmer qu'ici, il n'y a pas trop de ferraille, rien à trouver. Donc, je vais me transporter sur un autre spot. A tout de suite. Donc, nouveau spot, je suis désolé pour le bruit, mais là, il y a une station de pompage, j'ignorais ce détail. Donc, ça va faire un peu de bruit de fond. Sinon, bah, voilà, on va tester ici. Château du 17e, bah, ça veut dire qu'il y a sûrement eu du passage de l'activité, des gens qui ont jeté. Alors ici, ben, peut-être pas avec les courants et les crues, ça s'est sûrement décalé par là. Le courant arrive de là et passe comme ça. On va quand même faire quelques jets au double face pour tâter le terrain et puis on se déplacera un petit peu de chaque côté si on peut pour voir ce que ça donne. Allez, on déploie le matériel, je vous dis à tout de suite. Pour le premier lancer, donc je sais pas si vous verrez les vidéos, il y a beaucoup de pierres devant, il n'y a pas trop de fond, et vers le milieu il y en a un petit peu plus de fond, on voit quand même vachement bien. À l'œil nu je ne vois rien, donc c'est parti, on teste, go. Et je crois qu'on a déjà quelque chose. Oui, bah un boulon. La première prise avec un, je ne sais pas ce que c'est, un petit anneau, une petite trondelle. Alors, nouvelle sortie les amis, qu'est-ce qu'on a? Non, oh, ce reste, mais oui. Oh, une pièce. Avec 2 centimes d'euros. Si on est dans la région, voilà. Pas mal, c'est pas ce qu'on cherche, mais pas mal. On a peut-être une sortie, qu'est-ce que c'est? Une capsule. Allez, moi je dis n'importe quoi, une Heineken. On ne saura pas.
Il faudrait que j'aille voir plus loin, mais là il y a un petit pont sympathique. On va tester un peu en vertical avec le 130. Ouais, c'est parti. On va voir ce que ça donne. Alors, oui. J'ai du barbelé. Ouais, une nouvelle petite sortie là dans le petit ruisseau là, à proximité de l'autre spot. Bon, on sort pas grand chose. Petit bout de ferraille de rien du tout. Alors le petit ruisseau va nous donner quelque chose, je crois. Quand même, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une semelle. Écoutez, si vous avez une idée, lâchez un com, je sais pas ce que ça peut être. Alors ça, un bout d'armure. Ah, je serais vraiment curieux de savoir ce que c'est, parce que les clous ont l'air artisanaux quand même. Ah, si vous avez une idée, lâchez un com. Je serais curieux de savoir ce que c'est que ça. Bon. En tout cas, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on a le reste des petits clous. Qu'est-ce que c'est que ça? Très étrange. Au moins une découverte intéressante. Allez les amis, dernière remontée. Depuis une demi-heure que je suis là et il ne se passe rien. Donc je vais plier, ben, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser des commentaires, à vous abonner à la chaîne, ça nous fait très plaisir. On compte sur vous. Je vous dis bye bye et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Tchou.